YouTube. J'espère que vous allez bien, toujours en compagnie du petit chat qui a pris un peu de la taille quand même. Ça devient un grand garçon. Est-ce que ça existe plus mignon que lui sur Terre? Je ne pense pas, je vais te laisser tranquille. On commence à avoir l'habitude que je commence mes vidéos avec le petit chat. Je pense qu'on va faire ça jusque quand il sera adulte. Je veux rien savoir. En tout cas, le frérot il grandit bien. Si jamais vous voulez une vidéo avec le chat, n'hésitez pas, vous me dites dans les commentaires, on va faire un petit concept avec lui. Mais en attendant, vous savez très bien ce qui nous attend aujourd'hui. C'est le retour du essai de ne pas cringe. Oui, oui, je le dis comme ça parce que les gars, ça y est, ça faisait 2 mois, j'étais bien dans ma vie. Je regardais des vidéos drôles, on regardait les émissions, jour où tout a basculé, tout ça, tout était parfait. Mais il a fallu que vous me spammez sur mon chat Twitch. Le med, react à du cringe, s'il te plaît. On est parti. Mais hop, attention les gars. Cet épisode, c'est l'épisode de trop, je vous le dis. Donc on va faire quelque chose de simple. Si vous voulez vraiment un autre épisode sur cette série, parce qu'à mon avis, ce sera le dernier, je veux atteindre les 20 000 likes sur la vidéo. Oui, 20 000 likes. Je n'ai absolument jamais fait 20 000 likes sur YouTube, mais bon, la dernière fois, vous avez fait 17 000. Peut-être que là, vous allez exploser encore le record. En attendant, n'hésite pas, tu connais, je crois, il y a un essai de ne pas rire qui pop ce soir sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à me follow sur Twitch, la chaîne est juste là ou dans les commentaires. Et en attendant, moi, je vous souhaite bon courage. Parce que moi, je sais, moi, je suis le moi du futur. Je sais ce que vous allez voir dans cette vidéo. Essayez de rester jusque la fin. C'est pas possible. On va mettre une règle aujourd'hui. Je ne veux pas de cringe sur des cosplayers DBZ, ok? On respecte Dragon Ball aujourd'hui, les gars. C'est la seule chose. Mais les gars, c'est qui ces gens? Vous avez la rêve de ces gens-là? Là, je suis dégoûté, ça tape des édits sur des gens, je les connais. Ah, gros, j'ai jamais eu un édit sur ma tête. Coucou les petits loups, 22h chez moi, petit. Allez, ça y est, frère. Bon, allez, les gars, je sais pas pourquoi j'ai lancé le live. On va partir, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, les gars, c'est trop pour moi. Les gars, le but, c'est d'essayer de ne pas cringe. J'ai cringe, je pars. J'ai cringe, je pars. C'est quoi ça? Putain, j'ai le même doudou que lui en plus. J'ai le même doudou Pikachu, j'ai trop la rage. Coucou les petits loups, 22h chez moi. Petite devinette du soir. Quelle est la citation préférée de Gérard Depardieu? S'il y a du poil, c'est légal. Si on n'a pas, ça régale. Starfala, frère. Putain, mais en plus d'être cringe, il nous fait une blague bien humour noir. Non, ça y est, toi, ça y est, ça y est. Tu es trop moche, tu n'as pas d'amis. Il aura jamais de meuf. La honte, il boit de la Monster. Putain, vous avez vu, il y a la pleine lune qui arrive en plein milieu de la vidéo. Vous avez vu, il a fait spawn une pleine lune carrément. Putain, c'est fort, hein. Comment chanter. Vlog avec la tantine du bled, c'est comment, frère? Comment chanter. Une mamie vraiment. Mec, elle a mis gazo, mamie Wata et tout. Non, les gars, je vous jure, les personnes âgées, vous êtes les meilleurs. Vraiment, vous êtes les meilleurs, vous comprenez rien au réseau, ça me... Starfala, c'est quoi ça? C'est quoi ça, les gars? Coucou mes petits crumbles, tu préfères avoir une queue de cheval ou avoir une queue de cheval? Eh, ça y est, frère, ça y est, frère. On n'a jamais débuté un essai de ne pas rire aussi fort. Et ça, on essaie de ne pas cringe. Ça n'a aucun sens, les gars. C'est quoi cette dinguerie? Avoir une queue de cheval ou avoir une queue de cheval? Moi, les gars, je préfère avoir une queue de cheval en vrai. Hein. Que je me bête avec Booba ou que Booba me batte. Moi, perso, je préfère me battre avec Booba. Faire de l'équitation avec moi ou faire une balade à dos de dauphin? Petite balade d'ado de dauphin, je crois. Pourquoi je réponds en plus? Pourquoi je réponds au premier degré? Ah les gars, c'est fort. Je fais un showcase chez toi en petite tenue. Ou j'installe une bombe chez toi. La plus bonne, frère. Mais moi, je suis plus qualifié pour installer des bombes. Hein. What the fuck? Tu préfères que je sorte un album uniquement de son kawaii? Ou que je sorte un album des plus grosses caisses que j'ai lâchées en 2023? Oh, oh putain. Ah ouais, putain. Ça, c'était ma favorite. Ah les gars, c'est qui ce crack qui avait ça? Lara Brou? Il appelait un banger, ça a 300 vues. Il s'appelle Lara Brou, frérot. Je vais péter mon crâne. Non les gars, on a trop forcé. On a trop forcé avec ça, j'en peux plus. On arrête. Oh, vous êtes bien? Bah oui. Mais on est très bien, on est très bien. Je pense que les meilleures cartes, ça reste le plus 2 et l'interdiction. Le double interdiction pour... Non, pas le double, le simple. Le ouais. Mieux, c'est la double. Non mais vas-y, ok, revenons une game, on va voir... parce que moi, je me disais, c'est par exemple... Catsup, elle est déjà au paradis, hein. Elle est déjà loin, les gars. Elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Pourquoi elle est à cette table? Et Kev, il a lâché vraiment l'un des plus gros flops de Twitch. Mais par contre, son émission avec Zen, elle était drôle. Quand il y a des trucs gênants comme ça, il vaut mieux tout arrêter que de rester dans le truc. On aura
une autre activité qui va se préparer pour nous. Ah, sympa. En tout cas, au niveau des points, ça a changé beaucoup. Moi, tant que ça reste une tournante. C'est pas un vrai prénom, c'est Kalina. Kalina ? Oui. Oh, c'est mignon, Kalina. Merci bien. C'est Guyanais. C'est Guyanais, ça ? En vrai ? Sérieux ? Ok, ah, c'est marrant. Kalina, c'est hyper mignon. On dirait comme une petite Kalinade, mais sans le D. Oh. Kalina. Waouh ! Putain, les gars, il nous a eu à l'usure, lui, hein. Lui, il nous a eu à l'usure, frère. Comment c'est passé inaperçu ? Pourquoi je suis jamais tombé sur ça, hein ? Et Katsup, elle est gênée de baiser. Elle a même pas répondu. Je fais une petite apparition dans cette dose de cringe. J'espère que t'es déjà arrivé jusque là. Force à toi pour la suite. Mais avant tout ça, je vous ai dit 20 000 likes, il y aura un prochain épisode. Oui, ce que je vous ai pas dit, ce que j'ai oublié de dire à l'intro, que 20 000 likes, il y aura un nouvel épisode sur Twitch, mais pendant 4 heures. Survivre à du cringe pendant 4 heures. Donc pose ton like là, juste à côté, et abonne-toi en même temps, on est bientôt 400 000. De Marathon s'est blessé gravement, mais heureusement que ces deux femmes ont fait un geste incroyable. Les deux femmes ont... Les gars, ça se voit que c'est fake quand même. Dès la femme qui était au sol pour pouvoir l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est vraiment incroyable. Je demanderai à toutes les personnes de liker et de vous abonner et de mettre des cœurs. Putain, c'est une dinguerie, les gars. Ça y est, les gars, après Zartek, après tous les autres, on a une nouvelle personne. Un nouvel antagoniste, c'est The Fake Mowgli. 200 000 abonnés, frère. 200 000 abonnés. T-Bone Shep mordu par un requin. Vous allez vraiment être choqué et attristé. Vraiment, regardez jusqu'au bout, vous serez choqué. Mais d'abord, like et abonne-toi si tu aimes vraiment ta maman. Sinon, tu seras maudit tout. Ça y est, ça fait 10 secondes, on n'a même pas l'info. Je pensais fortement te liker et t'abonner. Tu l'as dit 3 fois, fils de. Cette grosse araignée vient dans les lits. Oh putain, lui, il a tout mélangé, les gars. Il a tout mis. Hey, il a dit like et abonne-toi si t'aimes ta mère. L'araignée, elle va arriver dans ton lit. Les gars, là, c'est une dinguerie. Ça, les gars, il n'y a pas moyen de faire pire. On est déjà à plus de la moitié de la vidéo. Il a même pas parlé de son truc. De tous ceux et celles qui ne sont pas abonnés, donc likez et abonnez-vous à ce short. T-Bone Shep mordu par un requin. Regardez bien la vidéo. Partagez-la à tous vos amis pour que aussi soit choqué. Ça y est, frère, montre-nous. Voici la vidéo. Là, je vais tout enculer, frérot. Ça, pour moi, ça doit être ban de YouTube, hein. Alors, le hater, comment on se retrouve? Cette fois-ci, tu vas prendre ta déculottée. Les gars, je sais pas quoi vous dire, en fait, hein. Je suis désolé à ceux qui restent, hein. Putain, il est encore là, les gars. Lui, c'est le plus grand des antagonistes. Y a pas un essai de backcringe où il est pas là. Gummy Bear. Gummy bear. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Waouh. Waouh. Putain, non, les gars. Pourquoi j'ai fait ce live? T'as 7 ans et demi, Gigamon. Va manger ton caca, boire ton pipi et jouer au Lego, sale chien. Ah, voilà, c'est trop pour moi. Il envoie un gigachat dans Pokémon. Tuer un Sigma. Je comprends plus rien à ce qui se passe, les frères. Le pauvre petit, on l'a vraiment obligé à faire ça, les gars. T'imagines l'enfance? T'as 7 ans et on te fait faire des dingueries comme ça, frère. Non. Et une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je lui donne des coups de queue, je lui donne des coups de queue, je lui donne des coups de queue. 2 millions de vues, hein. Preuve que le med est cringe. Déjà, pourquoi il y a écrit arabe? Pourquoi il y a écrit arabe? Je pense que ça se voit à ma tête. Numéro 1. Une photo sur lui a été prise sur laquelle on le voit porter un camis. Attends, mais il a pris cette photo d'une OP. Deux, il a dit en live qu'il était arabe. Je vous montre l'extrait. Ben Jean, t'es arabe ou pas? Oui, je suis arabe, les amis. Oh, OMG, quoi? C'est quoi cette photo de con? Vous avez maintenant toutes les preuves pour savoir que l'Omed est arabe. Ah, ok, c'est preuve que l'Omed est arabe. En fait, si un jour je donne fall, si un jour on est plus que 10 sur le live, ce sera de sa faute, les gars. Quand j'ai appris que mon mec m'avait trompé avec mon ex. Comme ta gueule. Laisse-moi faire ma manœuvre.
Tu es né hier. Comment t'as pu... Comment ton mec a pu te tromper? Je sais parler aux chiens. Tu viens juste de naître. Quoi? Elle a dit la même chose que moi. Mais toi, toi aussi, tu viens juste de naître. Moi, j'ai le double de ton âge. Tu viens juste de naître, t'arrives comme ça et... Le plus gros contre son compte 2024, je te l'attribue. Vous deux, allez jouer aux pipées. Allez jouer aux poupées. Ça dégage d'ici, les gars. Oh putain, la buzzcut. J'ai même pas cliqué sur play. Je sais très bien ce qui va se passer, tu vois. J'ai même pas cliqué sur play. Ok, je savais vraiment pas ce qui allait se passer. Je savais pas. J'aurais préféré ce qu'il y avait dans ma tête. Il allait juste le coiffer, ça allait être une buzzcut et je serais passé à la vidéo suivante. Non, on se tape un petit gosse qui fait de la tectonique. J'ai envie de tout niquer, frérot. 107 000 vues. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le lambato du Nancoclico. Quoi? Oh, le bateau coquelicot. Oh, qu'il est beau. Qu'il est beau. What the fuck, mec? Attends, mais ça doit être analysé par Feldup, pas sur mes vidéos à moi. Oh, oh, le coquelicot. Oh. Oh, je. Y'a pas à gémir comme ça pour un bateau, là. Oh. Comme ces paroles sont profondes et recherchées. Hirondelle de poussière. Super, y a pas de... What the fuck? Personne, il y a quelqu'un, mais c'est personne. Je secoue la personne et le quelqu'un. Je secoue très fort sur le palier. Des hirondelles de poussière se nouent dans les escaliers. What the fuck, bro? Quel jeu mobile ça encore? Je vous jure, les jeux mobiles sur TikTok, les publicités, c'est comme ça, frère. Ah, c'est une dinguerie. Voici la calvitie de Kylian Mbappé. Non, voici la calvitie de Kylian Mbappé. Mais d'abord, likez cette vidéo et abonnez-vous si vous voulez pas avoir cette grosse araignée dans votre lit ce soir. Kylian Mbappé montre sa calvitie en pleine vidéo, alors cliquez sur le lien en haut de ma chaîne, la vidéo est là-bas. Non, mais là, ça c'est vraiment une dinguerie, ça. Ça, vraiment, on a atteint un niveau, les gars. Я на подскоке песик, обкашляем вопросик. Il se passe quoi dans ce coiffeur? Il se passe quoi dans ce coiffeur, les gars? 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 4. Putain, on y est, les gars, on y est. Ce soldat se fait charcuter. C'est encore une nouvelle vidéo, ça? Tu veux voir comme coupe? Dégradé bas. Oui. Makina. Makina. Ah, Makina. T'es prêt, hein? En vrai, ça. En vrai. On dirait Todd, en vrai. What does that make? Garfous. Allez, bataille. Garfous. Quel dinguerie, ce coiffeur, vraiment, il nous fait des folies. Hein. Montre ta face si quelqu'un touche mon mari. Je te le laisse, j'avoue, je te le laisse. Je suis à la grogner carrément. Putain, il est trop bacha. Papa, il envoie, les gars, il envoie. Hein. Ça va et toi? Ça va, merci. Dis-moi, on fait quoi comme coupe aujourd'hui? Un biscuit. Biscuit? Ouais. On enlève tout? On enlève tout? Mais les gars, vous pensez que c'est le coiffeur qui est pourri ou c'est les mecs qui ont pas une tête de biscuit? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Une biscuit? Ah, vous pensez que c'est les mecs? Voilà, je te montre ce que ça donne sur les côtés. Qu'est-ce que tu penses du dégradé un peu comme ça? Le regard de Milan carrément! Une biscuit? Bah en vrai je pense qu'ils sont trop jeunes pour avoir des biscuits, les gars. Faire un dégradé sur les côtés? Ouais. C'est carré, mon gars. C'est sûr, hein? C'est parti, let's go. Je vais te montrer le résultat de la fameuse biscuit. Il est dégoûté. Il voulait absolument garder la coupe de Inox Tag. T'es quoi? Baku Bae Dai. Ha ha!
Les gars, la vie de ma mère, je suis resté scotché, frère. Je pouvais rien dire. Les gars, j'étais dans les ténèbres. J'étais dans les ténèbres, je pouvais rien dire. C'est quoi cette dinguerie? Bon, alors moi, je vais me lever, je vais aller manger. Attends, je vais aller dans le bain. Salut, mon ami. Attends, mais c'est Néo? Néo et Swan, là? Des petits biscuits, mange. Ah, je suis fou, je suis drogué. Oh, maman. Quoi? Mais les gars, mais ça a changé, wesh! Mets un j'aime et abonne-toi, oh ouais! Les gars, j'ai rien compris. C'est quoi ça, les gars? C'est pas un humain, ça! C'est vraiment la même personne qui va dire qu'elle se sent plus crocodile, hein. En vrai, glow up, hein. En vrai, glow up. C'est quoi cette merde? Pourquoi ils ont pris un gars en otage? Pourquoi ils ont pris un gars en otage? Ils l'ont fait. C'est quoi ça? Pourquoi? Il a rien demandé. Mais gros, il doit se poser des questions, frère. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Pourquoi il y a des Duolingo qui sont en train de me. Je vous jure, le Japon, faut que j'y aille, hein. Neuil. C'est de là que ça vient. C'était ça depuis le début, frère. Putain, mais regardez à cause de vous, les gars, mes suggestions, quoi. Regardez mes suggestions, je vous en supplie, les gars. Non, pas la mamie. Il y a un moment, mamie, il va falloir lâcher ça, hein. Putain, le maquillage, il est terrible. On dirait ceux qui font dans la rue. Vous voyez, les mecs qui restent debout dans la rue et qui bougent pas, genre. C'est vraiment, ça m'a fait penser à ça, hein. Eh, hey, 2023, les gars, on va tout baiser, frère. Voilà, on va tout baiser. On va tout niquer. Hey, c'est mon année, voilà. Les gars, mais vous prenez que des clips hors contexte. Je me foutais de la gueule des gens qui disaient ça, wesh. Le maître baise-moi. Mais ça va pas ou quoi, Zir? Mais t'es un malade mental. Le maître s'exprime sur son ancien meilleur pote à l'autre bout du monde. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les gars? On s'est plus jamais reparlé. Ça veut dire, genre là, j'ai joué avec un mec pendant 5 heures. Il avait sa vie de l'autre côté de la planète et tout. Et genre en mode, on a arrêté de jouer, il était... Les gars, faites les choses bien, s'il vous plaît. J'ai expliqué que j'ai rencontré un mec sur un jeu vidéo un soir et que j'ai joué 5 heures avec lui et qu'il a fait sa vie et que je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. J'ai pas dit que c'était mon ancien meilleur pote à l'autre bout du monde. C'est une dinguerie de mettre ça, les gars. Le maître s'exprime parce qu'il n'aime plus les Arabes de... Quoi? Je vais pas vous ban non plus. Donc hésitez pas, les gars, exclamation Discord. Et envoyez-moi dans le salon vidéo gênante. Je crois que je vais remonter un peu plus en haut, là. Le 6 mars, ça me paraît bien. Pas Sirou qui m'envoie des trucs. Mais il y a des gens, ils ont une page pour toi que de cringe, hein. Mais... Quoi? Ah, lui, c'est un malade. Eh, Oxplay, là, c'est pas possible. T'as juste pris un moment du... T'as pris un clip d'aujourd'hui et tu dis que je vais battre tous les Arabes de la communauté. Là, vraiment, c'est trop. Comment on peut être juste à 3 secondes de la vidéo, là? It's a new breathing technique I've been working. Teach me. Oh, yes. This is very flashy. Laissez-moi tranquille. Dans le bis, sans qu'à faux, bien que ça me serve, faut que ça. Tranquille, faut que ça faut pas que ça me stresse, faut que ça. Lui, il est tellement cringe, les gars. Allez, pas... Non, lui, vraiment... Hey, vous allez voir, là, les JO de Paris. Venez, les Jeux Olympiques. Ils vont le voir dans le métro, ils vont péter leur crâne.
Bon, après, s'ils ont ça dans leur train et dans leurs avions, je pense pas qu'ils vont péter leur crâne. Pourquoi demander gênant comme ça, frère? Willkommen im Team! Danke für den Scher! Danke für die Rasse! Danke für die Rasse! Ein Box! Ma dose de cringe, les gars! Ma dose de cringe, c'est trop pour moi! La vie, c'est trop! La vie, c'est trop, les frères! Respect à toi, t'as réussi à rester jusque la fin de cette vidéo! Ou alors t'as skip comme un petit roublard jusque la fin pour voir ce que j'allais dire à la fin! Si c'est le cas. Il va rien se passer, frère! Il va absolument rien se passer, t'inquiète pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, les gars, 20 000 likes, nouvel épisode. Sinon, ce sera le dernier. En attendant, je vous dis à ce soir sur Twitch. Viens, le Twitch, il est là. Le Twitch, il est en description. Il est en commentaire. T'as juste à follow la chaîne. Tu vas rater aucun live. En attendant, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Let's go.